Bonjour et bienvenue, on est reparti. Donc on a une très bonne sauvegarde, enfin une bonne sauvegarde. Je sais pas encore si c'est vraiment très bon, mais c'est très potable, on va dire. Donc on va continuer sur celle-là. Ok, ça commence bien. Je crois qu'on peut les tuer facilement. Ok, très bien. Alors, ce qu'on va aller tuer, c'est le Shakespeare qui est pas très loin. Je sais pas si vraiment on en a besoin, parce que je sais qu'il nous donne une clé. On l'avait déjà fait la dernière fois. Donc, on va voir si c'est utile. Donc, on a ça à faire. Après, on a quoi d'autre? On a toute la partie droite à faire. Donc, on va voir un peu ce que ça nous donne. Sinon, on est bon. Corps, on est bon. La fin... La fin est plutôt bonne. Ouais, on va rester comme ça. Faut juste savoir où est le truc assez vite avant qu'on ait faim en fait. Où est le machin? Il est là. Il est ici. Ok, très bien. Alors, on va tester de faire full dégâts au corps. Si ça marche pas, on va tester de faire full dégâts à la tête. Si ça marche pas, etc., on va faire autre chose. On va faire les jambes petit à petit. Vu qu'on a sauvegarde, on a une sauvegarde juste avant, en fait, on teste. Bon, Moonless, ce serait bien que... Ok, d'accord, raté. Ok. Fracas de lanterne, raté. Ouh. Évidemment. Ok. Parce que le corps, normalement, on devrait pas rater. Je vois pas pourquoi on a raté. On va peut-être devoir recommencer. Ouh, ok, on peut le tuer. Ce qu'on avait vu la dernière fois, en fait, qu'on pouvait le tuer techniquement, facilement. On va dire rapidement. Parce que le corps a pas l'air d'avoir beaucoup de vie. On avait vu la dernière fois. Par contre, on avait vu que les bras, oui. Les bras, ils ont beaucoup de vie. Très bien. Les bras, ils ont beaucoup de vie, donc c'est... Je voudrais en fait tout simplement éviter de me faire toucher, tout simplement. Parce que... Okay. Parce qu'à ma connaissance, on peut pas soigner les os cassés. On peut pas du tout soigner ça. Et ça, ça baisse tout simplement notre vie max ou nos dégâts. Je crois que c'est la vie max. On va faire ça. Donc du coup, on est un peu bloqué avec ça, genre jusqu'à la fin du jeu, quoi. Donc si on peut, genre, tout simplement éviter, ça serait bah, bien. Allez. Faut que Moonless aussi tape le corps, ça serait vraiment bien, et que personne rate. Bon, allez sur les jambes. Ok, 400, c'est pas mal. Ok, très bien, et toi, vas-y. Let's go. Donc, quoi, il a combien de points de vie? Je dirais qu'il a 600 quelque chose. On a fait quoi? On a fait 4. On fait 200 après quelques. 700 peut-être. Ok, très bien. Repose ici. Vous voulez vous faire fouiller. Trouver la clé de la cellule. Troisième. Je sais pas si c'est vraiment c'est utile. L'armure résonne lourdement à chacun de vos coups. Ça, on prend. Ok, très bien. Morceau de tissu et bâton, très bien. Déchets, on s'en fout. Fiole rouge, très bien. Viande crue, il faudra la faire cuire. Ok, chevalier lourd. Donc ça, c'est Sœur Seymour, là. Du calme. Ok, c'est bon. Très bien. Salutations, brave âme. Vous m'avez vraiment aidé en nous débarrassant du ce misérable tortionnaire. Laissez-moi recommencer votre bravoure. Il vous donne 40 pièces d'or. Oh, c'est bien, ça. Vous êtes également celui qui a... Aussi torture n'est-ce le monde nous portera bien mieux maintenant qu'il n'est plus là. Vous le connaissez? Oui, je le connais un peu. Je le connaissais un peu. Il était l'un des hauts fonctionnaires de ce donjon, croyez-le ou non. Il avait déjà cette apparence défigurée bien avant de venir ici, mais cet endroit n'a certainement pas aidé à améliorer son état, ni physiquement, ni mentalement.
Le fou a tenté de me faire subir le même sort avant que vous ne veniez contrecarrer ses plans. Oh merde. Attendez. Ça c'est un peu... qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Que faites-vous ici? Nous sommes descendus de donjon. Je crois qu'on connaît ça. Nous sommes venus chercher une certaine personne. On pourrait dire que nous sommes venus pour une mission de sauvetage, mais c'était avant que nous ne connaissions cet endroit. Rien ne survit ici. Lorsque dit cela, Buckman n'a qu'une expression vide sur le visage. Ses yeux n'affichent plus ni vitalité ni aucune lueur d'espoir. Alors, Sersim, vous avez l'air d'avoir toute votre tête, prenez-en soin, c'est un cadeau précieux dans ces ténèbres. Que faites-vous ici? Je suis descendu avec mes camarades, nous avons une mission à accomplir. Le destin a cependant voulu à chacun de nous, père de crâne de pierre. Ouais, ça, je crois qu'on... Il est trop tard. Oui, peut-être. Devrions-nous faire de notre survie une priorité dans ce cas? Ah, ok, d'accord, ils abandonnent leur mission. Je ne sais pas vraiment, de toute façon, ce n'est pas comme si cet endroit allait gentiment nous laisser nous échapper. Si nous ne pouvons pas sortir à cause de ce brouillard anormalement épais, il n'y a plus qu'une direction. Plus bas. Vous avez l'air d'avoir toute votre tête. Ok, donc du coup, ils vont partir, j'imagine. Je sais pas comment les choses ont pu tourner de cette façon. Ces donjons sont au-delà d'Empire à ce stade. Quelconque conseil de survie. Décapiter tout ce qui approche. Oui, bon, ça c'est le même. Ok. Bon, bah c'est bien. Ok. On va pas utiliser nos pièces supplémentaires parce que, bon, l'équipement, on n'en a pas besoin des masques. On a vraiment des bonnes armes et tout ça. Même pour les armures. Donc, ouais, on va pas trop. Voilà, on va pas utiliser des choses en plus. On va les garder surtout pour sauvegarder. Et je pense que là, on a fait des bons rôles. On a perdu quoi? 2 fois sur 3? 2 fois sur 5? On a eu jambière. C'est quoi jambière? Jambière. Une paire de jambières permettant d'éviter des blessures graves. Ah! Et ça augmente la défense aussi. Ok. Après, on a eu une épée longue. On en avait déjà une. T'as 71 de défense. On pourrait faire ça. Les jambières. J'imagine que ça évite de perdre les jambières. Pardon, de perdre les jambes. J'imagine. Bon, tout le monde a un peu faim. On va les laisser comme ça pour le moment. Et après, on mangera. Parce que bon, je crois qu'on peut se débrouiller un peu avec ce qu'on a. Par contre, notre esprit. Ah oui, on a aussi ça à prendre. Parchemin de pyromancie. Un truc intéressant, c'est que le parchemin de pyromancie, je crois qu'on peut l'apprendre au chien. Et du coup, elle va spammer ça. Je sais pas vraiment comment ça fonctionne. Piège à ours. Ouh, piège à ours. C'est bien ça. On va s'en rappeler d'utiliser le piège à ours pour les gros trucs en fait. Après j'ai envie de dire dans un sens, on a eu un monocle. Dans un sens je me dis que le piège à ours, enfin autant tirer une flèche quoi, ça va tuer directement. Ah mais c'est une armure monocle, une simple lentille portée sur un œil améliore légèrement la précision à ceux de son porteur. Ah. C'est embêtant parce que là on a quand même des trucs vachement utiles. Empêche le démembrement et les saignements. Et là on a sûrement empêche les démembrements des jambes. Elle aime bien la poupée étrange. Donc je sais pas s'il faut la laisser avec la poupée étrange. J'ai envie de lui mettre monocle pour le moment. Fromage, ok. Il faut faire quoi? Donc il faut faire la partie droite. On a beaucoup de torches ou pas? On n'a plus qu'une torche. On n'a pas beaucoup de bâtons, on n'a pas beaucoup de tissu. Donc ça c'est un peu embêtant. Après, de toute façon, on vient de comme j'ai dit, hein, la sauvegarde, elle est encore récente, donc on peut tout simplement se balader, en fait.
peut tout simplement se balader. Quoi? Comment tu m'as... Comment tu m'as attrapé? Ok. Par contre, on fait... C'est bizarre ça. On fait moins de dégâts parce qu'on a faim. Donc ça c'est un problème. On a vachement faim. En fait j'ai envie de rester comme ça jusqu'à ce qu'on aille dans les mines et qu'on mange tous. Mais bon. Porte est verrouillée depuis l'autre côté. Flèche de fer. Je sais pas si ça si c'est très bien en fait de faire comme ça. Genre de ne pas manger constamment. Ok. Le tonneau de vin est vide. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si ça vaut vraiment le coup. On devrait plus... Je vais voir l'esprit. Je sais pas si on devrait pas boire aussi le vin. Tant que on est à côté en fait. Fiole de vin. Ça te donne combien? Ouais, c'est pas mal. Hein. Ouais. Après là, c'est pas des ennemis trop dangereux. Après le problème c'est qu'on perd notre vie max. Il y a un vieux tonneau de vin ici, tonneau est vide. Donc il y a encore du vin là-dedans. Oh mon dieu, c'est horrible pour se déplacer là. Ok, on peut rien faire. On peut récupérer de la viande pourrie là. Ah, mais attendez, est-ce qu'ils peuvent attraper mes alliés aussi? Maintenant que j'y pense. Attends, on va d'abord faire le reste. Ah oui, je crois que si j'ai bien compris, je suis allé un peu vérifier pour les prières et tout ça, là. Je crois que chaque statue aura son propre dieu. Donc si en fait on prie au mauvais dieu, bah du coup c'est pas bon. Donc ouais, ça il faudra faire attention. Qu'est-ce que lourd. Ok, alors attends. Je pense que quand même on va manger. Ouais, on est déjà à niveau 2. Putain, mais on a vraiment faim super vite. Ouais, non, mais c'est pas bon. Parce qu'après, on va faire de moins en moins de dégâts et ça va être une catastrophe. Donc, attends. On va s'éloigner du machin. Très bien. Pour le... On a du pain moisi, fromage... Après, je crois qu'il y a des façons d'avoir, genre, nourriture, potions infinies, trucs comme ça, mais il faut des magies, je sais pas trop comment ça fonctionne. Donc ouais, je sais pas encore. Donc, de 72, elle passe 65. Je vais voir la viande séchée. On a fait cuire la viande, hein. On a une viande crue. Ouais, on a de la viande grillée et tout ça. Ouh, ça lui a enlevé énormément. Ok, la viande grillée est vachement bonne.
C'est pas pratique, hein, quand même, cette façon de faire. Ok. C'est bon, la pluie. Si jamais il nous chope, comme ça, on fait full dégâts. Bon, on n'a rien eu. Ah! Et j'avoue que là, il y a quand même beaucoup de choses. C'est un peu chiant de... Ah oui, cette porte, on peut pas la... On peut pas l'ouvrir. On va pas prendre la fiole rouge parce que ça sert à rien. Ah oui, un truc que je voudrais bien récupérer, c'est le... Comment ça s'appelle ? L'accessoire là qui nous permettait d'avoir de la vie, de récupérer de la vie, genre par tour. Donc du coup on pouvait se soigner. Je vais retester encore une fois parce qu'on a loupé un coup. Donc ça c'était vachement bien en fait cet anneau là. On l'avait trouvé dans les mines à chaque fois je crois. Arrête de rater toi, qu'est-ce qui t'arrive ? Bon, bah super. Bon. Petite clé. Là, là, là. Pas que tu nous touches, toi. Ouais, ok, c'est bon. Nickel. T'as rien sur toi, j'imagine. On peut l'écorcher pour prendre une peau à la limite, parce que je pense pas qu'on va revenir là de toute façon. Popal, ça nous fera quelque chose. Par contre, on a récupéré un autre objet, je crois que c'était un casque. Casque lourd. Casque lourd qui offre non seulement une excellente protection, mais évite également d'être confus ou étourdi. Oh, ça tue. Putain, on a armure en plaque et casque. Honnêtement, on est super bien équipé. On est très très bien équipé. Déjà à 56, là on va mettre ça. Ouais, on est super bien équipé, je trouve. Vu les ennemis, vu la puissance des ennemis en fait, vu les HP qu'ils ont, je pense que là on est fait pour la fin de jeu, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On peut tuer plus ou moins tout ce qu'on combat. Faut seulement savoir comment les combattre. On peut aller là. Je suis en train de tourner en rond, c'est ça. Ah non, t'es pas venu. On peut te lancer. Il me manque encore des endroits là. Ok, là. Okay. C'est vraiment un bon endroit pour récupérer. Je pense qu'il nous manque des plantes, genre en bas à gauche peut-être. Vide, vide. Ou alors on a tout fait. Ah non, peut-être pas. L'esprit. Il y a l'esprit de Moonless qui est... Ouais, ça va. Il nous faudrait des plantes, surtout. Putain, ouais, non. Non, je crois qu'on a tout fait. Qu'est-ce qu'on fait? On descend. On descend et on visite. Niveau 1, escalier. Ah, oui. Non, mais là, ça... Ok. Bon, bah, c'est pas si mal, en fait. Ça nous permet de... nickel, ça nous permet d'aller cuire. Chaque fois, je sais plus où c'est. C'est où la nourriture? C'est là. Ok, très bien.
Maintenant, quand on est dans le menu, le temps il passe ou pas? Non, hein, je crois pas. Hein. Je suis pas sûr. À chaque fois, je suis jamais sûr de ça. Du coup, on a fait Shakespeare, on a fait la petite zone là avec les bestioles tentacules. Donc, on a récupéré tout plein de champignons et tout. On retourne dans la mine. Je dirais. On peut retourner dans la mine, aller récupérer l'épée bleue là. Ça peut être utile aussi. Même si techniquement, je pense pas qu'on en ait vraiment besoin, parce qu'on a des, on a déjà plein de trucs qui font mal. Ou alors on passe du côté gauche de la mine. Il est où le téléporteur là? Où le portail? Il est là. C'est vachement pratique ça quand même, hein. Donc là, du coup, on a le choix. Ou on va à droite ou on va à gauche. Peut-être qu'on peut faire le côté gauche pour, comme ça, on apprend un peu les nouvelles choses. Parce que c'est vrai que là, on tourne un peu sur les choses qu'on connaît. Ah, après, il y a les... Oui, il y a les lapins. Les lapins, il faut manger, là. Ah oui, toi... Non, toi. Toi, je sais plus comment il faut. Toi, il faut des attaques pour les esprits, là. Techniquement, on a deux, je crois, deux choses qui pourraient faire office d'attaque contre les esprits. On a l'orbe noire, je crois, qui est bien. Et après, on a la pyromancie basique. Après, les deux autres, ils seront inutiles. Donc, je sais pas si c'est vraiment une bonne chose. Mais faudrait l'apprendre, en fait. Faudrait apprendre à le combattre. Après, il y en a deux qui ont phasmophobie aussi. Ouais, on pourrait aller manger. Là, ce qu'on va faire, on va continuer un peu. Ok. On va continuer un peu et après on va aller de l'autre côté. C'est quoi ça? Lunette? C'est quoi? C'est une armure? Permettant de voir le monde plus clairement, améliore considérablement la précision de son porteur. Ah, c'est mieux que le monocle. Pas avancer. Ma présence vous bloque le passage. Okay. Ah, c'est pas l'esprit, ça? C'est pas ça? Torche. Pas l'esprit qu'on a vu? Une sorte de chevalier, là? Oh, je crois que lui... Doucement, ma belle. Tue-le, ma belle. Massacre-le. Mounès devient tendue. Elle n'apprécie vraiment pas la présence du mage jaune. Ah, donc on peut lui dire de ne pas attaquer. C'est sûrement pour lui parler. Parce que je crois que le mage jaune, en fait, il fait des dégâts quand on s'approche de lui. On va essayer de le tuer. Faire ça. Pyromancie basique. La tête. Genre, on lui coupe les deux bras et on lui fait la tête. Ok, pas mal. Oh, la vache! Bien joué. Une pierre de sorcier. Ah! Bien joué. Une pierre de sorcier, c'est quoi ça? Ah, c'est un anneau. Anneau magique porté autrefois par le grand Bethel. L'anneau restaure la santé mentale en combat. Ok. Donc on a l'esprit
infini en fait, si on trouve une porte. Par contre, faut trouver une porte. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, on laisse passer les tours? Je crois que les pierres, elles servent à stunner, je crois. Genre, il y a une grande chance de stunner, en fait, quand on jette des pierres, si je dis pas de bêtises. Donc, techniquement, les pierres peuvent, sont vachement utiles si vous avez plusieurs personnes dans le groupe. Genre, les gens attaquent et après, la pierre, vous balancez avec quelqu'un une pierre et ça stun. Donc, on peut reprendre de l'esprit. Donc on a un anneau qui remet de la vie, on a un anneau qui reprend, qui remet de l'esprit. D'accord. On va pas prendre l'épée direct, d'abord on va se balader un peu. Alors attends, si je fais ça, forcer la porte. Et on fait garder. Faut pas que le chien one-shot la porte par contre. Ça marche. Oh mais c'est trop bien. C'est pour ça qu'il est vachement bien en tant que RPG ce jeu dans un sens. Il est très très RPG. C'est-à-dire que des choses comme ça vous pouvez faire dans les RPG. Bon par contre nous on a quand même beaucoup d'étapes. Hein. Parce qu'on a le crochetage, on a... On a les fioles et tout, donc faut faire attention à ce qu'on choisit. Ça serait bien d'avoir l'anneau pour soigner. Ok, très bien. Mais ouais, c'est pour ça que j'adore ce genre de jeux qui sont très très RPG. Donc, on va te remettre les lunettes. Sorcier. C'est horrible de... Cet accessoire de sang inerte là, faut vraiment faire attention quand on est dans le menu. Ok, très bien. Force. Mais ouais, c'est très... Pour moi, je trouve que ce genre de RPG, en fait, c'est super addictif dans le sens où ça stimule tout ce que vous connaissez, en fait, du jeu. Genre, plus vous... Ok, je crois qu'il y a le truc corbeau, là, qui vient d'arriver. Ok, on a Kara, maintenant, à faire. Très bien. Ce qu'on pourrait faire après, c'est essayer de combattre le corbeau là, le mec corbeau, mais je crois qu'il est super difficile. Et je sais pas si il faut, en fait, faut avoir une stratégie bien bien précise. Parce qu'il peut faire des trucs qui sont genre un peu irréversibles, on va dire. Genre vous rendre aveugle ou vous faire partir des membres et tout ça. Donc ça serait la merde en fait pour nous. Oui, oui le temps passe. Hein. Vous voyez que même si on est en train de parler, le temps passe parce qu'on est à 99 maintenant d'esprit. Il n'y a que le chien, en fait, qui a un problème pour l'esprit. On ne peut pas utiliser l'anneau. Ok, très bien. Aïe, 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 aïe. Alors toi, on va te remettre les jambières. Et
toi, tu vas reprendre la pierre du sorcier. Donc, du coup, tu... Oh, du coup, elle a plus besoin d'utiliser sa dague, en fait. Elle récupère 10 d'esprit, et son attaque, c'est 10. Donc, du coup, elle peut faire que de la pyromancie non-stop. Intéressant. Pardonnez à Noël-mère. Le corps était découpé. Dents de requin. Ah oui, ça c'est une arme. Ok, ça c'est une arme. Je crois que ce comparé à ce qu'on a, c'est pas très bien. Ouais. Ah, t'as déjà faim. Putain, vous avez déjà faim, les gens. Putain, j'ai eu peur. J'imagine que ce... Eh merde. Ce squelette, on peut le ressusciter, peut-être. J'imagine que Anki, c'est le prêtre noir, là. Pas de son. J'imagine que Anki doit avoir des trucs... Ouh, on a plus de torches. Il doit avoir des magies de... Comme ça, là, de nécromancier. Ouais, la torche, c'est un peu la merde. On va aller tout à droite pour essayer de trouver les lapins. Je me rappelle plus ou moins où ils sont. Okay. Je crois qu'ils sont tout en bas à droite. Je crois que... Oui, c'est là. Je vais voir, parce que là, on a plus ou moins tous faim. Donc, on est bien, là. Ouais, c'est là. Très bien. Je vais juste visiter s'il n'y a pas grand... Non, je crois qu'il n'y a rien à... Il n'y a rien à prendre. Non, il n'y a rien à prendre. Ok. Oui. C'est le fun. Là, au moins, on mange, hein. Alors, Grogorov. Donc, Grogorov, du coup, c'est un autre dieu. Vous voyez, on a tous moins faim. Ouais, terrible. Ça, c'est terrible. Ok, maintenant... Maintenant, on va au chemin du centre. Ah merde. Je crois qu'on peut le tuer. Orbe noir. De toute façon, on n'a pas d'autre partie en fait à toucher. Donc, orbe noir. Toi, tu fais pyromancie. Toi, tu fais barien. Nickel. Ok. Non. J'ai raté un chemin ou pas, là? Parce que là, je vois pas où on va, en fait. Là, je vois pas du tout où on va. Putain, où on va? J'ai pas trouvé l'épée, en fait. Après, peut-être qu'on a une configuration où il n'y a pas l'épée. Mais bon, on doit bien trouver le chemin. Ah, peut-être là. Même ça doit être à droite. Attends, on monte.
Mais si on fait péter, ça fait pas écrouler la mine? Ou alors la mine, elle peut tenir un éboulement? Ah non, c'est par là, c'est à droite. Ok, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, on est bon, on est bon. On est bon. Après, j'avoue qu'on a plus trop besoin de torches. Parce qu'on a plus ou moins... Ah, elle est là, l'épée. On a plus ou moins l'esprit infini, là, maintenant. Enfin, tant qu'on a des portes. Ok, donc on a l'épée. Ok, là, on est... Ok, ok, c'est bon. Donc, on a à droite... Ah, il y a une torche, là. Putain, j'avais même pas... Putain, faut que je fasse attention, parce qu'en fait, les torches ne sont pas que sur le bois. Elles peuvent être aussi... sur la pierre. Putain, j'ai dû en louper. Donc là, on a le passage à gauche. Je pense que l'épée peut nous aider. Les catacombes. Ça peut nous aider d'avoir l'épée. Mais dans un sens, on n'en a pas vraiment besoin. Ok. Sios. Attends, ça me dit quelque chose, ça, c'est l'escalier. C'est pas la porte qu'on avait ouverte. Ok. Je crois que c'est la porte où on avait qu'on a ouverte. C'est dans le donjon, ça. Non? Dessin incertain. Peut-être qu'elle est simplement entreposée ici. Partir. On s'assoit? La chair, étonnamment confortable. Vous pouvez vous détendre ici pendant une petite minute. Ça marche. C'est probable aussi que l'on se sent... C'est probablement ainsi que l'on se sent en s'asseyant sur un trône. Cette pensée vous hante, vous êtes venu dans ces donjons de votre propre gré, personne ne vous a incité à venir ici. Il aurait suffi que vous fassiez la grasse matinée ce matin-là et vous avez entrepris cette quête macabre. Il y a tellement de choses que vous pourriez savourer à l'instant présent, mais au lieu de cela, vous êtes là, assis dans cette chaise, cerné par le froid mordant de l'obscurité. Assis ici, conscient qu'au moment où vous vous leverez, la mort pourrait vous atteindre juste... Oh non, il va rester assis toute l'éternité, c'est ça? C'est horrible, pour le moins que l'on puisse dire. Ok, on est bon. J'ai eu légèrement peur. Ouais, on est là. D'accord, on est là. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Là, on a fait tout le tour. On peut redescendre. Honnêtement, je voudrais bien aller sauvegarder. J'aimerais vraiment aller sauvegarder, en fait. J'ai envie de sauvegarder sans utiliser de pièces. Et après on redescend. Ok. Bien, 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 bien. Ok, on va prendre celui-là. Ok, parfait. Ah merde. Parce que dans un sens, on a accompli pas mal de choses, ça s'est bien passé. On a eu un sans faute pour le moment, parce qu'on est en bon état. On a augmenté nos affiliations avec les dieux, avec certains dieux, Grogoff ou je sais pas quoi là en plus.
On a débloqué des endroits. On a fait la mine. Donc la mine en fait mène ici. Donc la mine c'est pas vraiment la vraie suite. Dans un sens. Après il y a un endroit à droite là. Genre ça là. Un pilier représentant divers êtres grotesques et anciens. Mystérieux organe palpitant de manière constante. L'éventrer, inspecter. Vous ne pouvez pas vraiment déterminer la nature de cet organe, mais les veines s'en s'échappent et pénètrent sous terre. Il semble être lié à quelque chose de plus vaste. Je pense que ça, c'est un truc de dieu ou de monstre. Ah, c'est pas ça que je vais faire. Ouais, quoique, pas en profiter. Qu'est-ce qui nous manque avant ça? Qu'est-ce qui nous manque à faire? Récupérer l'épée. On va récupérer l'épée et on essaye de revenir ici. Parce que je crois que les mines, on les a faites. Hein. Je crois qu'il n'y a plus rien à faire hein, dans les mines. Et puis on a sauvegardé. Donc j'ai envie de dire, autant aller prendre l'épée bleue. Je me demande si on peut pas tuer les esprits maintenant assez facilement. En fait, ça a des... chaque personnage a ses avantages et ses inconvénients. Genre, par exemple, le fait d'avoir des humains, là, on peut leur mettre du coup les accessoires. On peut leur mettre les accessoires. Et du coup, on peut augmenter notre esprit et tout ça. Mais le chien, on peut pas, par exemple. Moonless, on peut pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que Moonens peut manger la viande pourrie, par contre. Alors que le reste, non. Enfin, si, mais après, on est empoisonné. Donc, il y a plein de choses, en fait, comme ça. Chacun a ses avantages, ses inconvénients. Te gourre pas de... lui, je sais pas ce qu'on peut lui mettre d'autre. Lance de fer. De toute façon, on n'a pas de bouclier. Ouais, non, mais la lance, ça semble. Je sais pas en fait. Cause des lacérations profondes. Faire trop de dégâts. Montagner aux ennemis ainsi que les saignements. Je dirais que Morgenstern, ça peut être utile. On va garder le Morgenstern sur lui. Du coup, on va aller récupérer l'épée. Parce qu'elle est pas loin de nous en plus. Très bien, on va aller récupérer l'épée. Orbe noir. Oh, le feu, ça marche pas. Ça marche pas. Ok.
Faudra lui refaire le coup de... Putain, on a bien fait de pas détruire la... Non mais t'es sérieux? On a bien fait de pas détruire la porte. Alors ça, il faut lire le livre Les passages de Mahabra. Nickel, let's go. Après, on a sauvegardé il n'y a pas longtemps, donc il n'y a pas de problème. En fait, il y a une sorte de petite guerre entre les anciens et les nouveaux dieux. Après, en fait, c'est un peu comme un peu du Lovecraft, où certains dieux, après, ont fait des sortes de... Comment dire? Des expériences où ils ont voulu se créer des fois des trucs et ça a mal tourné. Donc ouais. C'est plutôt ça en fait les histoires. Talisman. Il sert à quoi celui-là? Bah, on verra ça après. On verra ça après. On est limité ici. D'abord prendre ça. Nickel. Faudrait qu'on aille faire cuire la viande aussi. Des lunettes encore. Je crois qu'on a tout fait. Vous êtes effrayés. Ok. Oui, parce que notre esprit est bas, mais c'est pas grave. Il y a Moonless aussi qui a un esprit. Moonless, je sais pas si l'esprit en fait est dangereux pour elle ou pas, le fait d'avoir l'esprit bas. Bon, qu'est-ce qu'on a récupéré? Parce que j'ai pas trop fait. Oui, on a l'épée bleue. On a eu des lunettes en plus. Talisman Mathiasma. Un œil toujours attentif et bienveillant, il semble atténuer vos sentiments de peur et de terreur. D'accord. Ouais, les deux, elle est quand même abusée. Par contre, on pourrait faire... pourrait mettre le talisman, en fait, le temps d'aller... Le temps d'aller s'amuser avec la porte. J'imagine. Ok, je crois que c'est là. C'est là. Je crois que là, on peut revenir où on était après. Il faut aller vers la gauche, je crois. Par contre, on va remettre ça parce que là, on a du combat à faire. Enfin, on a du potentiellement du combat à faire. Alors, toi, on pourrait te mettre l'épée brute, du coup. Ah ouais, vu les dégâts que tu gagnes. Ouais, go épée brute. Ah oui, alors, fais voir un peu l'équipement.
Alors on a ça augmente la défense magique, chapeau fermier stylisé, renforcé. Ok, et après on a eu quoi d'autre? Robe en soie orientale. Le problème c'est que c'est compliqué de trouver, de savoir ce que font les... Quel type de dégâts font les ennemis. Ok, c'est pas mal comme ça. Ouais, là on est bien là. On a des torches. Voir notre esprit. C'est la fin en fait qui m'inquiète un tout petit peu. On peut descendre. Qu'est-ce qu'on fait? On descend. Blesser les chevilles en tombant. Ouais, mais on s'est pas vraiment blessé en fait. Oui, parce que nous on est protégés. On était venu la dernière fois ici. Je crois qu'on s'en était sorti. Sans trop de problèmes. C'est là, c'est bon. Du coup, la porte, elle est où? Bah merde. Elle est où la porte sur laquelle je m'amusais, moi? Ah oui, tout à droite. Zéro souvenir, c'est ouf. Hein. Ouh, il y a un truc bizarre là. Par contre, on va peut-être allumer ça, fais voir. C'est quoi ce machin là? Alors attends. Non! Le tracker nocturne semble avoir du mal à voir quoi que ce soit. Ah, il aime pas la lumière? Fleur cérébrale. Fait chier, on a l'arc équipé. Oh mon Dieu! T'aurais pas pu faire ça avant? Semble serrer fermement quelque chose de brillant dans ses mains. Prendre. 5 pièces d'argent dans la paume de la main de Tracker, il avait l'air si titanien. Putain! Juste quand je change, parce que je voulais lui tirer dessus avec. On a deux saignements, on a une infection. La sauvegarde, elle était où? La sauvegarde, elle était... Genre retombée dans la... Ah oh, putain, est-ce qu'on reprend la sauvegarde? Pourquoi il y a ces trucs maintenant? Ou alors il était là depuis le début, mais je l'avais pas vu.
On a combien de tissus? 4. On a à peine 4 morceaux de tissu. Je pense qu'on va... Oh putain, et là on a un truc de prière. Ok. Non, on va... Bah, je pense qu'on va s'arrêter là. On va recommencer cette partie-là, la dernière petite partie-là qu'on a faite. Oh, en 10 minutes on l'a fait, c'est pas très très grave. On peut juste un peu avancer, genre 5 minutes. Voir un peu. Bon, il y a Enki qui est là. On peut taper Enki. On peut attaquer Enki. Voir un peu si on peut récupérer quelque chose. Tiens, encore toi. Je suis étonné de voir. Comment vas-tu? Nous sommes sérieusement en train d'avoir cette conversation. Non, ce n'est pas le cas. Tiens, encore toi. Et cet endroit? Nous sommes à la lisière des ténèbres. Ce sont les derniers murs érigés par l'homme que tu vas voir. Explorer davantage serait du suicide. Attaquer Enki. On peut l'attaquer. Ah, il faudra Oh putain, on l'a tué, on l'a démonté. Il va falloir qu'on retue le prêtre jaune, là. S'il faut, on va pas avoir l'anneau. Vous désébrillez le prêtre au sang et prenez la robe du grand prêtre avec vous. Aussi, vous trouvez un talisman accroché au cou d'Enkri. Vous prenez le talisman de Mathiasma. Aucune réaction, mais c'est satisfaisant. La robe de grand prêtre, sombre utilisée pour les grands prêtres sur son design est plutôt minimaliste mais soigné. Ouais, ça doit être l'équipement normal en fait. Ah, si jamais on n'a pas. On récupère pas l'anneau, je vais pleurer parce que l'anneau est vachement bien. Je crois qu'on l'avait sauvegardé avec l'anneau. Ouais, on va s'arrêter là. Allez, on va visiter un peu à droite. On va voir un peu ce qui nous attend. Ah, c'est con, hein, que le... On n'ait pas pu tuer directement la bestiole, là. Oh. Mais ils ont l'air d'être tous infectés, en fait, ici. À chaque fois, il y a ça, la fleur cérébrale. Genre, le combat est différent. Vas-y, toi, la fille, toi, tu vas brûler la fleur à chaque fois. Ok. Ouais, les ennemis ici ont pas l'air d'être trop vénères. Ah, il faut peut-être un levier, peut-être quelque chose, un mécanisme. Peut-être. Honnêtement, on a l'air d'être très fort dans un sens. On a l'air d'être très fort, faut juste faire attention à pas faire de la merde en fait. Si ça a du sens. Toi t'es chaud par contre. Faut qu'on aille voir aussi les nouveaux pouvoirs qu'on peut avoir. L'autre qui fait chier hein, d'avoir loupé. Ouais, même lui, on peut le tuer facilement, normalement, non ? Hey, il a beaucoup de vie, la tête a beaucoup de vie. Ouais, même lui, ça passe. On a encore d'autres portes.
Ok, ça c'est juste des coffres. Ouais, faut. Je pense qu'on va devoir aller. Ah, il y a une silhouette. Oh! La gorge est tranchée, il est décédé depuis un moment. C'est lui, l'homme pour lequel vous êtes venu ici. Il est décédé, donc vous ne pouvez pas vraiment assouvir votre vengeance. Néanmoins, vous trouvez satisfaction à savoir qu'il a connu une fin misérable dans ces donjons. Ah. La fillette s'agenouille près de l'homme. Elle semble l'avoir déjà vu quelque part. Il y a une légère lueur dans ses yeux ressemblant à une larme. Pfiouf! Tous ces ennuis pour rien. Même mort, ce type m'énerve. Et ma petite, ne t'inquiète pas, on sera dehors dans un rien de temps. En un rien de temps, pardon. Votre tâche dans le donjon est terminée. Il y a guère de raisons à rester ici plus longtemps. Ah! Du coup, ça a ouvert la porte ou pas? La gravure sur la porte sont d'un déchiffrage, sont l'œuvre d'une culture inconnue. Toutefois, un trou en forme de cube de porte suggérant l'existence potentielle d'une clé. Ah, il faut un cube. Ah tiens, vu que l'autre machin, là, il est arrivé, on le combat? On essaye de le combattre? Autant tester, hein. Ah mais ça remet pas vraiment plus que ça. Viande grillée là. Parce qu'apparemment il y a le l'aigle là. Alors je crois avoir une technique pour le combattre, mais je suis pas sûr. Ah, par contre il faut qu'on soigne. On a vraiment rien en soin. Ah, comme d'hab, hein, ce jeu, niveau soin. Faut avoir de la chance, quoi. Le niveau soin, on n'a rien. Ah, ben si, on peut l'apprendre. Ah, mais il nous faut une pierre d'âme. On n'a pas de pierre d'âme. Ouais, il nous faudrait une pierre d'âme pour pouvoir apprendre le soin. Ouais, non, c'est pour. Là, ça montre que je peux pas vraiment me permettre de pas. Bon, après, on a 8 fioles bleues en tout. Mais on peut pas trop se permettre de faire ce qu'on veut avec les combats. Genre, si ça se passe mal, le mieux, et qu'on a une sauvegarde qui est pas trop vieille, le mieux c'est de recommencer. Parce que vous avez vu un peu tout ce qu'on gaspille? Bon, il est où le machin là? Il est où l'aigle, non, le corbeau? Corbeau broyeur vous fixe avec ses yeux vides. Alors, lui, il est dangereux, lui. Alors, je crois qu'il faut qu'on. J'en sais rien, en fait. On peut voir ça. On brûle le corps. Là, il faut lui envoyer un truc pour l'aveugler, je crois. C'est fiole rouge. Hautement corrosif, peut agir pour faire fondre certains objets. Je crois que c'est ça sur la tête. Genre pour le rendre aveugle, un truc comme ça. Pour lui brûler les yeux, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, le machin, il est aveugle. Okay. Je sais pas trop quoi faire, en fait.
Ok. En fait, faut couper le bras très rapidement. Oh, bah, en fait, on va taper le corps parce que. Ouais, on va peut-être le tuer, hein. Oh, d'accord. Alors, si vous arrêtiez de rater. Vous remportez le combat. Ah! Possède une qu'une clé emblème du corbeau. Ah, on peut le combattre. On a une clé. Je crois que cette clé, ça permet d'ouvrir une porte. Je sais pas où elle est la porte, par contre. Et ça permet d'avoir accès à une arme, en fait. Bah, c'est vachement bien, en fait. Ne voyez pas l'intérêt d'écorcher le corbeau broyeur. Bon. Bah ouais. Ok. Ok. Bon, on aura des choses à faire pour la prochaine fois. On refait cette partie-là. On essaye de mieux la jouer. On récupère l'épée. Et après, on peut peut-être même tuer le machin corbeau, là. Ça nous donnera la clé. Puis après, il nous faut un cube. Il nous faut un cube pour la porte, là-bas. Je sais pas où on trouve le cube, par contre. Je sais pas du tout. Et on pourra faire ça aussi. Ça nous permettra d'avoir... Je sais pas qui on peut prier. Prier qui ? Sylviane, on l'a déjà fait. Sylviane, on est à quel niveau? Voilà. Ah bah tiens, on va en profiter encore. Désolé, hein, mais bon. Ah. Sylviane s'intensifie, ok, nickel. Je sais qu'à chaque fois, on fait des allers-retours, mais en fait, faut en profiter, parce que là, on est sur un run mort, en fait. Et je crois que c'est super important de pouvoir profiter d'un run mort. Là, là c'est fini. Là, on va pas sauvegarder par-dessus. Quoique, même après, je vais être honnête, le run, il est pas si pourri que ça, là. On a juste utilisé beaucoup d'objets. On peut faire exactement la même chose sans utiliser autant d'objets, en fait. Alors. Donc, on a... Voilà, on a zéro pierre. Donc, on peut avoir les trois... Magie, je crois. Donc ça, c'est... Ok. Trois magies. Et après, on peut avoir Golem de sang et Arcane de pyromancie. Et après, maîtrise des insectes. Ah, ça, c'est des trucs d'insectes, en fait. Ok, c'est pas mal. Mais il nous faut des pierres. Ouais, il nous faut des pierres. Et on pourra lui mettre le soin à la fillette, par exemple. Comme ça, elle pourra soigner tout le monde à chaque fois. Et récupérer son esprit. Bon, l'esprit à 1, là. On crève pas, rien. Tout va bien. Apparemment. Ah, apparemment, ça va. Si on se jette dans le puits, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est ça. D'accord. Ah, c'est des raccourcis, en fait. Ah, on peut escalader aussi. Elle est morte à cause des blessures infectées. Oh, mon Dieu. Fiette est morte. On peut pas utiliser... On n'avait pas une potion pour redonner la vie? Ou on l'a pas achetée? Si, potion de vie. Potion de vie censée ramener à la vie celui qui utilisait par le passé les couleurs du liquide. Bah non, ouais, non, ça marche pas. C'est bizarre, on pouvait pas l'utiliser sur la potion. Sur la fille. Il était mort. Donc ouais, bah ça montre en fait l'infection, comment ça fonctionne. Quand vous passez trop d'écran, au bout d'un moment, bah vous mourrez.
Genre, ça doit être 5-6 écrans, j'imagine. Vagabond a développé une panophobie, une peur de tout. Ah, c'est pour ça, c'est parce que l'esprit, il a zéro, je pense. Ouais, la panophobie, c'est le pire, en fait. D'accord, ça marche. Allez, on va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé, à la prochaine, portez-vous bien. Ah, je me fais attaquer. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé, à la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao.